Depuis l'annonce des changements dans l'utilisation des données sur la plateforme WhatsApp, beaucoup se posent la question de savoir qu'est-ce qui va réellement changer. Faut-il rester sur la plateforme ou pas? De fausses nouvelles y circulent, mais une chose est sûre, à partir du 8 février, il y aura un changement dans l'utilisation de tes données personnelles. Tu vas devoir confirmer avant cette date ou sortir simplement de l'application. Il n'y aura pas de contournement à prendre ou à laisser. Dans cette vidéo, je te dis ce qui va changer, ce que ça signifie pour toi, s'il y a une raison de s'inquiéter ou pas, si tu vas migrer vers les nouvelles plateformes qui se positionnent déjà ou pas. Toutes ces informations sont importantes pour toi, car mieux vaut savoir pour éviter les surprises. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitrice Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, à partir de février, il y aura des changements sur WhatsApp. Étant donné que ces entreprises sont obligées depuis un certain temps de t'informer avant les modifications profondes, et voilà que tu as le choix d'accepter avant le 8 février pour continuer l'utilisation de l'application ou refuser pour te battre avec les applications concurrentes. Voici ce qui va changer à partir de février sur la plateforme. En 2014, Facebook a racheté WhatsApp. Ça, ce n'est sûrement plus un secret. Les deux entreprises veulent donc se partager certaines de tes informations confidentielles. Ces deux plateformes vont se partager les informations suivantes: ton numéro de téléphone, les fichiers que tu transmets comme les liens, les informations sur ton téléphone, bref, les données techniques qui permettent d'identifier ton téléphone, ton IP adresse, ainsi de suite en ce qui concerne les comptes privés. Mais en ce qui concerne les entreprises, leurs communications seront interconnectées entre Facebook et WhatsApp, ainsi que les échanges des données entre deux entreprises. Le grand changement va donc s'opérer au niveau des entreprises, ce qui leur permet aussi d'avoir une bonne visibilité. Comme il y avait trop de malentendus, les fausses informations couraient dans tous les sens sur les réseaux sociaux comme d'habitude. L'entreprise a donc pris la parole pour rassurer sur certains points. Tes appels WhatsApp ne seront pas suivis ou partagés avec Facebook, et vice-versa. Le partage de tes contacts ne sera pas autorisé sur les deux plateformes. Ta localisation ne sera pas aussi visible conjointement sur les deux réseaux. Bonne nouvelle pour ceux qui sont dans deux endroits différents au même moment avec le même téléphone pour arnaquer les confrères. L'entreprise rassure donc que WhatsApp va rester une plateforme de messagerie privée et que tes données personnelles seront utilisées comme jusqu'ici. Voilà qu'à présent, tu sais ce qui va changer à partir du 8 février. Est-ce une bonne raison de quitter la plateforme? Depuis cette annonce, beaucoup de plateformes de messagerie se positionnent. Bref, les concurrents de WhatsApp, et ils sont très nombreux. Mon but ici, c'est pas de te dire vers quelle application migrer. Là, tu pourras faire tes propres recherches. Beaucoup prennent déjà le devant. Nous avons au moins d'autres alternatives. On peut migrer vers les autres plateformes sans toutefois savoir ce qu'ils font eux aussi avec tes données personnelles. Mais tu devrais être conscient des conséquences de migrer vers d'autres plateformes. La première conséquence, c'est ta communauté WhatsApp, pour ne pas dire tes contacts. Ce point peut être résolu si tu décides de quitter la plateforme vers une autre plateforme avec toute ta communauté, ce qui n'est pas évident. Tu ne pourras pas convaincre tous tes contacts à te suivre vers la nouvelle aventure. La décision ne pourra donc pas être personnelle, surtout que tu dois la prendre avant le 8 février.
Sans oublier que dans certains pays, plus de 80% de la population utilise cette application. Une communauté assez importante. Je pense que beaucoup y resteront. Tu peux quand même aller réserver les places pour attendre les autres, comme je fais sur OnJust depuis presque un an. Je sais tout simplement que c'est une application développée par les frères et je t'encourage à faire pareil. Ce sont les nôtres. La deuxième conséquence de la migration, c'est le risque que tu cours en ce qui concerne la qualité des services. Je ne dis pas que WhatsApp est meilleur. Après beaucoup d'années, on a toujours une communication qui n'est pas limpide en ce qui concerne les appels téléphoniques WhatsApp. La nouvelle plateforme peut être pire ou meilleure, mais ça, personne ne sait. Je pense que tu n'as pas besoin de te soucier pour tes données personnelles. En fin de compte, c'est l'entreprise qui décide de quoi en faire. Ils sont juste obligés depuis un certain temps d'informer là-dessus. Qu'est-ce qui se passait avant? Et puis si tu ne te reproches de rien, pas question de réfléchir parce que tu es clean. Sinon, sois la qualité de l'information et de l'image que tu publies sur les réseaux sociaux en général. Surtout, sache que de nos jours, pour savoir qui tu es, quelqu'un peut se rendre tout simplement sur ton compte et se faire une idée de ta personne, même jusqu'au plan professionnel, pour un recrutement par exemple. Peut-être que tu es toujours motivé à migrer vers une nouvelle plateforme de messagerie, alors retrouve-nous sur OnJust. La publicité est gratuite, c'est l'un des nôtres. Encourageons-les pour qu'ils soient aussi au devant de la scène mondiale. Le devoir de mémoire m'appelle. Indépendance, cha-cha, tout souillé. Ça te dit certainement quelque chose. C'était le 17 janvier 1961 que Patrice Lumumba, un valeureux fils d'Afrique, fut assassiné par le colon belge et le traître africain. Tout simplement parce qu'il voulait offrir une bonne qualité de vie à son peuple. Ça fait aujourd'hui 60 ans et nous attendons toujours ses restes. Je salue la mémoire de l'homme. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.